Ok, bon, Julien. Alors, la mission, donc juste pour expliquer, c'est une sorte de making-of un peu de la photo, de le thumbnail, comment est-ce que tu dis ça en français? Thumbnail. En français. C'est pareil, je crois que c'est un thumbnail, c'est la vignette. Thumbnail, ouais, c'est pareil en français. Ouais. donc la photo de vignette de la vidéo dédiée pour l'épisode 1 au... Ouais. Il y a la Delta qui fait des bruits bizarres, bon, on la laisse pour l'instant. On a oublié de faire une vignette en fait quand il était là. Donc ça veut dire qu'il faut sortir la 205. Et si on veut des bœufs, il faut vendre du rêve. Donc le but c'est de sortir la 205 et de la mettre devant le sanctuaire Shinto là-bas. Et de faire le photoshoot là. Bon, alors deux secondes, je vais la calmer un peu elle. C'est un peu risqué quand même. Elle fait des bruits bizarres. Hop. Voilà. Bon, ça c'est réglé. Donc oui, de la poser devant le sanctuaire Shinto. Alors le problème c'est que la SL, bon, il y a plein de problèmes, elle ne roule pas, elle ne démarre pas, donc elle est très très lourde, on n'est que deux. Et faut faire de la place pour sortir la 205. Bon, allez, on pousse. Allez. On pousse. Ok, bon, on l'a sorti, on a fait une pause entre temps. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu le jour. Ça fait très longtemps qu'elle n'est pas allée dehors, mais elle est dehors. Donc évidemment, pour garder un peu de patine, hein, hors de question de la nettoyer. C'est pas comme si de toute façon j'étais habitué du nettoyage des voitures. Bon, la Jag est là-bas, on va essayer de la passer. Le temple est juste derrière là-bas. Sanctuaire, pardon. Ouais, on va essayer d'amener tout ça. Le garage est complètement vide, hein, ça fait bizarre là. C'est limite étrange. Bref. Allez, on la pousse. Tu veux monter dedans? Et tu tournes le volant. Non, mais sur le volant. T'as la vitre électrique là. Ouais, bah oui. Quel daube. Puis tu peux être sûr, là, il n'y a plus rien de branché. Hein. On va couper dans les graviers. Ah ouais. Et voilà, et je me suis arrêté là pour filmer. Donc j'essaye, croyez-moi, j'essaye de vous présenter du travail un peu mieux fait sur les vidéos que je poste.
J'y travaille encore, de toute évidence. Donc là, bah, j'ai oublié de filmer une conclusion. Ça m'arrive encore, ça risque de m'arriver d'autres fois. Mais au moins, j'ai de plus en plus le réflexe de filmer les trucs que je peux faire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a quand même plu. Et à la prochaine.